Il y a des turbulences dans le secteur bancaire après la Banque Scotia. Autour de Desjardins, de procéder à d'importantes mises à pied. 400 salariés ont été remerciés dans les derniers jours. Andy, le mouvement affirme qu'il s'agit d'une décision difficile dans un contexte difficile. Le ralentissement économique, vous avez raison, Sophie, en est certainement pour quelque chose. Je parle en direct ce soir devant le complexe Desjardins au centre-ville de Montréal où malheureusement, plusieurs personnes ont perdu leur emploi au cours des derniers jours. Même chose du côté de Lévis. Tout de suite, on va aller en tableau. Une petite citation, ça nous vient de Jean-Benoît Turcotti. Il est porte-parole du mouvement Desjardins. Il parle de la volatilité, de l'inflation, du ralentissement, entre autres, qui ajoute une pression supplémentaire, dit-il, qui amène à avoir une gestion saine et prudente. Et cette saine gestion nous amène à surveiller nos coûts, nous donne quelques exemples, nous donne en exemple, donc, l'attrition naturelle, de profiter de cette attrition naturelle. Cela dit, il faut quand même rappeler que l'organisation a procédé à des licenciements en plein été. C'était près de 180 personnes. Alors là, ce sont d'autres licenciements, mais ce n'est pas la seule organisation à faire ainsi. Scotia, vous le disiez, des mises à pied de 3% de son effectif mondial, Sophie. C'est pas surprenant, nous disent des experts à qui nous avons parlé. Le contexte économique est relativement bon. Le taux de chômage est au plus bas qu'il a été depuis de nombreuses années. Bon, c'est sûr que l'inflation fait mal. Les taux d'intérêt font mal, particulièrement dans le secteur hypothécaire. Mais ce licenciement-là n'est pas lié à une situation économique qui serait particulièrement négative pour Desjardins. Desjardins est une institution financière très, très solide. C'est un peu comme les plaques tectoniques. Ça bouge, mais on s'en aperçoit pas. Une fois de temps en temps, il y a un tremblement de terre, plus ou moins important. Je ne suis pas surpris qu'on a besoin de moins de monde pour servir notre clientèle. Et je m'attendais à des décisions comme la Banque Scotia et Desjardins ont pris dernièrement. Alors, le secteur bancaire qui constate ce qui se passe, notamment avec les taux d'intérêt, est aux premières loges et ça pourrait se poursuivre. Il y a déjà d'autres banques qui ont dit prévoir des licenciements. Donc, c'est à surveiller assurément, Sophie. Inquiétant. Merci, Andy.